l'ami Calchieri. On le connaît bien désormais, Calchieri. On se fait plaisir à le voir et à le revoir. Et je vais quand même me faire plaisir à vous conter son destin qui a failli être funeste, puisque ce cheval, ce petit cheval, plein de cœur, plein de boulot, le parfait fils de Kalesi. Kalesi, bien sûr, regretté Kalesi, et j'ai un grand étalon, un grand champion plein, et après un grand étalon de sac. Et bien, si vous recherchez la famille de Kalesi, elle est là, puisque c'est ici, c'est son fils, qui a failli tomber dans le Grand Prix de Paris. Il avait les deux genoux par terre dans la descente. Christophe Soumillon était vraiment accroché aux oreilles. C'est pas une expression, hein. c'est le propre comme figuré, c'était ainsi. Ce qui n'a pas empêché le cheval de se relever et de revenir s'imposer dans ce Grand Prix de Paris pour battre Chabert, d'ailleurs, qui paraissait pourtant avoir course gagnée à une ligne droite. Ensuite, le cheval, lors d'un travail public, c'est pour ça que tout le monde s'en rappelle, un travail public sur le boulon de Maison Lafitte, c'est accidenté, très 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 vivement accidenté. Il a dû rester plusieurs mois mais allongé, supporté, soigné, enfin il aurait pu mourir 100 fois, mais c'est grâce à son mental, c'est grâce à son moral qu'il a pu survivre, continuer de s'alimenter, survivre, et puis être acquis par les arts nationaux et éviter sa carrière d'internet. Il est toujours comme ça un peu d'accueil, donc voilà, il a commencé à faire le spectacle, donc je ne vais pas être trop long. Donc Calchieri qui est désormais un étalon plus que confirmé sur l'obstacle to you Valkevi, mais aussi sur le plat, puisqu'on a eu un cheval qui s'appelle Rolex Borget, depuis plus de 7 ans au départ qu'il a sur les obstacles, un cheval qui avait beaucoup d'envergure, de taille, entraîné par Jean-Bertrand Balanda, ce qui n'a pas empêché de remporter une listeur sur le drôme de Longchamp. Donc un étalon Calchieri. Avec le père que vous connaissez, avec le destin, ses performances de très très haut niveau, qui est désormais un étalon plus que confirmé sur les obstacles, ça on s'y attendait, mais aussi sur le plat, bien qu'il ait évidemment sali une majorité de jumeaux d'obstacles, notamment au Lyon-Angers, là où il a fait tout son début de carrière, avant d'être déplacé dans le centre de la France. Aura de très bons dans l'Allier chez Pierrick Puzzle, où il reste évidemment cette année et vous sera proposé à 1600 euros la saillie